Gérard, fiston, c'est une place de tout repos. Les pensionnaires ne protestent jamais. La perle, la plus grosse perle du monde, le joyau de notre collection, disparu. Oh là, monsieur le directeur, et la coquille est vide, vide, monsieur le directeur. C'est une catastrophe. Mais dites-moi, Alphonse, vous avez des vis. Elle est là, cette perle. Vous devriez arrêter de boire, mon ami. Mais je vous assure. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je deviens fou. Attendez. Certains de mes collègues conservateurs m'ont parlé de semblables mystères dans leur musée. Je suis sûr que cette perle est partie et revenue. Ah, si seulement ils pouvaient parler. Arrivée du vol Cilder 222 en provenance de Paris, Bruxelles, Francfort, Glotz et Schnickbach. Les passagers en transit sont priés de se rendre dans le hall d'accueil. Cilder for the gas, wait, Taïkomalo Paris, Bruxelles, Francfort, Glotz. Golf, compris? Club, golf, bing. Pas contrebande, pas belle trou-trou, bing. Bon sport, compris? Oh là là, mais certainement, monsieur. Vous pouvez passer. Bienvenue en style d'avis. T'as trop idée de fouiller un sac de golf, mille sabords. Il fait son métier, capitaine. Surtout, on parle beaucoup de trafic d'armes. C'est pas une arme, un club de golf. Ça n'offre aucun danger. Mes balles de golf. Mais ça va. Les Dupont. Les Vandales. Ne nous dites pas que vous allez vous aussi en vacances chez le professeur Tournesol, au lac de Flachisard. Non, pas en vacances. Au contraire, en mission confidentielle. Pour le moment... Botus et mouche cousue, et bouche tout, et... Messieurs Tintin, Milou, Haddock, passagers ayant réservé un avion-taxi particulier, sont attendus au comptoir 20. Eh bien, nous vous offrons le transport. Monsieur Tintin? Oui. Bienvenue en Cildavie. Votre pilote vous attend. Capitaine, nous avons encore un long voyage à faire, venez. Vous avez un ami qui habite au lac de Flégisov? Il est curieuse. La région est vraiment très sauvage. Ça me donne le cafard, moi, ces montagnes sombres. L'espèce de mécène qui a construit sa villa dans un endroit pareil, même s'il vient habiter Tournesol, ne doit pas être très sociable. Voilà le lac artificiel. Il paraît qu'on a dû évacuer tout un village pour l'aménager. Monsieur Barbu a raison. Lac maudit, porte-malheur, très 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 mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Panne totale! Sautez! Sautez! Hé!
sauter? Comme ça? Sans parachute? Il est fou! Aucun doute. Il n'y a pas de parachute. Hé! Revenez! Capitaine. Merci. Bien. Non, non. Ah, ça y est. Cette fois, c'est le plongeon. Sortez. Sortez vite. Tire, Gustave. Tire, Nouchka. Oh, Is. Sauvé. Ouah. Vite, le plancher des vaches. Mais ça va. Après vous. Je n'en ferai rien. J'insiste. Moi aussi. Formidable, les amis. Je m'appelle Tintin. Voici le capitaine Haddock. Ah, lui, c'est Milou. Moi, c'est Nico. Et elle, c'est ma sœur Nouchka. Et lui, c'est Gustave. Il est très fort. Lui, c'est Dupont. Et lui, c'est Dupont. Enchantant. Sans vous, nous n'aurions jamais revu notre ami le professeur Tournesol. Il habite au bord du lac. La villa Sprock. La villa Sprock? Tintin, ne va pas là. Ce lac est maudit. Vautour 4 appelle Neptune. Opération manquée. Client se dirige vers rendez-vous numéro 2. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolies des carrioles et des ânes de toute la Soudavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Dans notre beau pays sauvage, les fleurs ont des rouges éclatants. Voici les clowns du paysage, chèvres et cabris cabriolants. Le raisin d'or de nos coteaux promet.
attendez déjà le vin nouveau. Quoi, mon pays, comme il est beau. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolies des carrioles et des ânes de toute la Sindavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Le vert des sapins nous enchante avec le doux parfum du miel. Écoute l'abeille qui chante dans le rayon qui étincelle. Sans la résine, si c'est bon, tiens, c'est Marco le bûcheron. Sans mon pays, comme il est beau. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolies des carrioles et des ânes de toute la Sindavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Dans notre village, large moustache et boléro, foulard de soie, joli corsage, les bottes battant un galop. Des maisons en tourneur, nous danserons, entend la voix de nos violons. Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolies des carrioles et des ânes de toute la Sindavie. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Ce retard m'inquiète, Madame Vleck. C'est étrange. Très étrange. Professeur, nous sommes là. Tiens, tiens, ah, enfin vous voilà. Alors, bon voyage, mes amis. Alors c'est promis, hein. On se revoit demain. Ah. Tonnerre de Brest, qu'est-ce que c'est? Ne vous effrayez surtout pas. Un simple appareil expérimental. Ce bar n'était qu'une image en trois dimensions. C'est inouï. Regardez. De simples diapositives. Ce gorille est sans consistance, capitaine. Pas du tout. Il est sans consistance. Provisoirement. Soupe. Mangez. Et pourquoi ces objets fantômes, professeur? Pas du tout. Cela fait partie de mes recherches. En tout cas, ça ne trompe personne. Cette bouteille, par exemple. On voit bien qu'elle n'existe pas. Tiens. Si. Ce que je voudrais, c'est réaliser une sorte de photocopie en relief. Mais c'est tout à fait secret. Certaines convoitises sont dangereuses. À cause des faussaires? Pas du tout. C'est pourquoi j'ai demandé la protection d'agents discrets. Et on vous a envoyé les Dupont. Mais quels faussaires? Les vols multiplient dans le monde. Et les voleurs les remplacent par des faux. Oui, ils les remplacent par des remplacements. Au début, ce n'était que de grossières copies, mais depuis 6 mois, il faut des experts pour distinguer le vrai du faux. Et aussi le faux du vrai. Et vice-versa. Ou le contraire. Ou inversement. C'est ça. C'est une catastrophe. Les copies sans valeur s'accumulent. Je dirais même plus. Elles s'entassent. Eh bien, professeur, souhaitons que ces vacances se passent bien, malgré tout. Bon. Après tout, il ne faut pas se faire trop de soucis. Allons, bonne nuit, Milou. Mais non, mon vieux, ce sont des oiseaux de nuit. Allô? Agent Ramsès appelle Grand Requin.
Étrangers sont arrivés malgré tout. Je suis au courant, agent Ramsès. Déclencheront opération Crabe dès demain. Agissez comme convenu. Ah, quel bon air! Fais comme moi, Milou. Comme promis, voici notre plus beau fromage de chèvre. Tu vois? Je sens surtout. Je descends! Une note sur ce meuble, capitaine. Je les avais déposées hier soir. Des notes? Non. C'est étonnant ce que je suis distrait ces temps-ci. À propos de notes, ça fait une sacrée musique, vous me trouvez. On ne s'entend plus ici. Pardon? On ne s'entend plus! Tout à fait bien, merci. Vous allez assister dans quelques instants à une étonnante transformation. Étonnante! Étonnante! Permettez mon chocolat. On dirait des boules de Noël. Ah oui, tout va bien. Encore 2 grammes d'hyposulfobenzol, de mixopotassium, comme ça. Oh là là, ce que je peux être distrait. Là! Observez bien la réaction qui va se produire et qui va se poursuivre par des réactions secondaires, en quelque sorte, pour aboutir à ce liquide bleu. Regardez. J'ai dû faire une petite erreur de ce côté-là. Mais ça n'a pas d'importance. De ce côté-ci, tout va bien. On dirait du savon. Mais oui, nous savons. Ce produit permet de faire une copie en 3 dimensions de n'importe quel objet. Il y a des gens qui tenteraient n'importe quoi pour s'emparer de la formule de ces petites briques. C'est vraiment très désert. Oui, personne ne vient jamais ici. Mille sabords, on change de sport. Tiens bon, Milou, me voilà. Qu'est-ce qu'il voulait, ce pirate? Un pirate? Ce spéléologue? Tiens. Il a laissé ses plumes, ses plumes, ses... Ses palmes! Alors, c'est ça le lac maudit? Mais il est très beau! Ne t'y fie pas, Tintin. Ici, on n'est jamais certain. Nico! C'est Nouchka! Vite, par là! Au secours! N'aie pas peur, je te tiens. Attention, ça va céder. Ouf. Tu avais raison, Nico. L'endroit est dangereux. Avion publicitaire dans ce coin perdu? Mais que veut-il, cet oiseau-là?
Excellent caméra. Vous l'avez tous parfaitement repéré. Il s'appelle Tintin. C'est le plus dangereux de tous. Donc, exécution du plan crabe. Employez les nouveaux gaz hilarants. Ce morceau de palme arraché par Milou, des papiers disparus, je crois que je commence à y voir un peu plus clair. Dupont et Dupont, surveillez la maison. Vous, capitaine, prenez Gustave. Grâce à ce bout de caoutchouc, les chiens pourront peut-être retrouver la trace de l'homme-grenouille. Vas-y, Milou, cherche! Cherche! Tonnerre de Brest, pas d'erreur! Je suis sur la bonne piste. Tiens, un camion a manœuvré ici. Bizarre. Milou, c'est pas le moment de déterrer des os, mon vieux. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Zut, pas la peine d'insister. Il doit bien y avoir une autre issue tout de même. C'est la caverne d'Ali Baba. Des œuvres d'art. Il y en a sûrement pour une fortune. Mais alors, le récit des Dupont, tous ces objets volés dans les musées, la police Sildav décidera. Il faut d'abord que je sorte d'ici. Pas par là, en tout cas. Cette lueur, cette grotte communique avec le lac. Tant pis, je risque. Maison maintenant. Quel étrange appareil, professeur. Voilà, je place la pâte ici. Les modèles là, il ne reste qu'à brancher le courant. Vous voyez comme la pâte se transforme? Et hop! Merveilleux! Des chapeaux neufs! Félicitations, professeur! Oh oui, je dirais même plus, professeur, chapeau! Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de stabiliser la production. Mais c'est l'affaire de quelques jours. Je dirais même plus. On attaque la villa. En avant, Milou! Ah,
Arrière, flibustier, ectoplasme. Trop tard, capitaine. Mon cher Tintin, je vous salue. Tonnerre de Brest. Il n'arrivera rien à vos jeunes protégés si vous m'obéissez à la lettre. Je sais que l'appareil du professeur Tournesol va être au point. Je veux cet appareil, Tintin. Et c'est vous qui me le livrerez. Dans 2 jours, à midi, sur la plage sud. Venez seul et sans armes. Et surtout, ne prévenez pas la police. Pensez aux jeunes otages. Le pirate. Cette voix. Je connais cette voix. Les pauvres petits. Il va falloir jouer serré. Nous les récupérerons, ils s'abordent. Nous avons affaire à forte partie. Je suis certain qu'on nous surveille et que cette maison est truffée de micros. Eh bien, cherchons. Cette horloge, tu crois, Milou? Oh! Regardez, capitaine! Mille sabords! C'est certainement par là que les ravisseurs sont entrés. Tiens, prends ça, fiston. Moi, je vais voir. Entendu. Mais prudence, hein? Ça va être l'heure de contacter l'agent Ramsès. Madame Vleck. Ça, par exemple, un poste émetteur. C'est le puits où Madame Vleck faisait semblant de puiser de l'eau. Cette manie de prendre de l'eau. Bah. Vous nous avez pris pour des naïfs, n'est-ce pas, Madame Vleck? L'agent Ramsès a explosé. Demi-tour, Madame Vleck. À la maison. Et pas un geste. Bon travail, Moussaillon. Madame Vleck, une espionne? Oh, je n'arrive pas à le croire. Les espionnes ont beaucoup changé depuis Matahari. Pas vrai, chère Madame Vleck. Voulez-vous que je procède à un petit interrogatoire? Inutile, capitaine. Madame Vleck ne connaît certainement pas le véritable nom du grand chef. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Délicieux enfant. Approchez. Mignon. Approchez. Ne touchez pas à un cheveu de ma sœur, sinon... Nico, tais-toi. On croirait entendre Tintin lui-même. Allez, hop, au frigo. Ruth! Personne ne nous retrouvera jamais ici. Ne pleure pas, Anouchka. Je suis sûre que Tata va nous retrouver. Ça m'étonnerait. Ici, grand requin. Renforcez la surveillance. Rendez toute communication impossible. Et que personne ne quitte la villa. Prenez bien garde, Moussaillon. Ne vous inquiétez pas pour moi, capitaine. Mais il faut à tout prix alerter la police.
communique au chef qu'il tourne en rond, comme des toupies. Bravo, Milou. Y a quelqu'un? La Ladislas, c'est rôdeur. Rôdeur étranger. Y a quelqu'un? Ici, personne. Vous en allez. Ouvrez. Je veux seulement donner un coup de téléphone. Attention, je comprends français. Si vous donnez coup, on va faire trou dans vous. Comme ça. Ladislas, étrange, est toujours là. Oui, moi, Gendarmskaya, téléphone. Excellente idée. Allô, Operazov Karafonskaya, Gendarmskaya. Allô, allô, Gendarmskaya, allô. Ils ont saboté les lignes du secteur. En route, Milou.